Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de South Park, l'anal du destin. Donc on va y aller. Pardon monsieur le crâne. Non, je voulais voir si je pouvais le péter. Ok, donc j'imagine que c'est la... Non, c'est même pas ici la clé. Ah. Shub-Niggurath ? Ah, le culte est de Cthulhu. Black goat of 1000 morbid young, draw down the moon and extinguish the sun. C'est le vrai conte de Lovecraft. Sir? Huh? Oh, I see. I guess because cops feed African Americans to an elder god, they're racist. J'aurais dû réagir à Elder God en plus, effectivement. An outer god, kids, who must be appeased and whose coming was foretold by the great H.P. Lovecraft. Voilà, c'est ce que je disais. Lovecraft was a racist too. Oh fuck, was he really? Like how racist? Really? Yo, it's my homeboy. Je me suis pas rendu compte dans ces écritures. These niggas completely crazy. Let's end it. All right, you kids want a battle? Let's do this. Là, je suis surpris, je m'en suis pas rendu compte dans les écritures. Enfin, j'ai pas tout lu, hein. Mais alors, on va faire quelques changements, si ça ne dérange personne. Mon cher Twig, tu ne me sers strictement à rien. Je vais te remplacer par une femme. Toi, tu es très très bien, mais là aussi, tu ne me sers pas à grand chose. Je vais plutôt taper avec ça. Et on est sur une plutôt bonne équipe. On est bon. On est bon. Allez, disons que c'est bon. On va bien voir. Ok, check another one in. Fucking hell no! Oh, shit! No! The All-Mother can't stand white meat! Les œufs sont explosifs, de mémoire. Shub-Niggurath, ok, cool. Je l'ai tellement battu de fois dans différents jeux de société que je me pose des questions maintenant. The All-Mother demands black flesh! D'accord. Ok. Today is the last day of the rest of your life. You thugs have no respect for the band. Oh. J'ai pas les bons sorts pour ça. C'est pas ce que je voulais faire du tout. Tu veux pas frapper? Ah putain, d'accord, ok, j'étais pas sur la bonne case. C'était un peu naze. En plus, je me suis chié dessus en termes de. Du coup, je doute un petit peu de la capacité de mes potes à survivre. Je sais même pas quoi faire. Pour le coup, là, je me sens mal. Je vais avoir besoin d'aide. Je sais pas comment je vais faire pour les repousser dedans. Non, je sais pas. Là, pour le coup, je suis dans le caca. J'ai pas du tout ce qu'il faut. Sauf si je peux. Si je peux, je crois. Voilà. Ça, c'est fait. Lui, je vais le supprimer. Hop. Voilà. Et lui, je le dégage. Ça. Hop. Mais normalement, tu te fais bouffer. Voilà. Ah. Elle s'est pas nourrie alors, si? Ah. Ok. Ok. Hop les, bouf. Ouais, tu vas me détester pour ça. Parce que même l'œuf a un téléphone. Voilà. Comment ça? Ça fait que ça en dégâts? Ok, Avec repoussement inverse, ça m'intéresse pas, repoussement inverse. Ah, j'ai vraiment pas les bons personnages.
si je puis me permettre. Genre vraiment pas. Bah alors, pourquoi je peux pas t'attaquer? Pourquoi je peux pas? Pourquoi je peux pas? T'es juste devant. Bon bah... génial. Ouais mais là aussi, pareil, je n'ai pas de quoi. Et moi je suis un petit peu intrigué sur comment je vais y arriver parce que j'ai pas du tout les bonnes choses. Boum. Voilà. Et j'aurais dû me pousser. Quoique non, ici, s'ils font ça par eux-mêmes, c'est très très bien. Ouais. Je sais pas comment je vais m'en sortir les gens, je suis désolé là pour le coup, le combat risque d'être long. Je vais frapper hein, par principe. Ça va être compliqué. Ça va être extrêmement compliqué, vu que j'ai aucun moyen de les repousser. Ah attendez, peut-être que si. Mais ça va être que d'une case. Ce qui par conséquent ne sera forcément... attendez, va-t-il s'en nourrir? Non. Dommage. Je l'ai espéré. Je veux bien l'admettre. Mais ouais, j'ai aucun personnage pour repousser mon... je vais juste faire une ligne pour les repousser au fur et à mesure, vous savez. Pour les empêcher de... de passer, mais... avec repoussement, cool. Voilà. Donc lui, il va se faire bouffer. Toi, je te... voilà. Ok, on va peut-être y arriver finalement, c'est peut-être faisable. Heureusement qu'on a pris Captain Diabète. Et je peux pas passer. Merde. J'ai très très peu de combos de repoussement. Comment je peux faire ça? Je ne peux pas. Donc on va le punir. Par principe. On va laisser... est-ce qu'il l'a bouffé ou... oui, il l'a bouffé. Ça y est. Elle aime pas ça. Il ou elle, ça n'aime pas ça. Ok, donc là il faut que je... ok, il me repousse. C'est intelligent comme combat. Hein. Je l'aimais bien lui pourtant, c'est con. Bah je vais me caler là, j'ai rien d'autre à faire. Hein. J'ai rien d'autre à faire si je veux les... oh mighty sub Niggurath, oh mother with a thousand young. I'm sure we'll have to sort it out shortly. Fuck it. Fuck it. Je vais tout faire péter. Putain non, il fait 9999 de dégâts. Je viens de me rappeler qu'il faisait que 9999 de dégâts. Quelle horreur. Ah putain, puis c'est... oh, c'est du temps. Allez. Je peux pas utiliser mon pouvoir. Dégage. Voilà, gerbe, c'est très très bien. Allez! Le Tempax! Non! Ah.
Ah putain. J'en ai deux qui décèdent. C'est une catastrophe. En train de dire que tu mets des œufs sur mes cadavres? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Est-ce que ça résurrectionne tout le monde? Non, ça fait que soigner. Je sais pas quoi faire. J'ai que des personnages corps à corps. Hop là. Je frappe, tant pis. Il faut que je puisse ressusciter des gens. C'est une catastrophe. Ce qui est en train de se passer est une catastrophe. T'inquiète pas, je vais te nourrir. Voilà. Mais oui, j'ai que ça à faire. Je suis obligé de réanimer. Oh, c'est une catastrophe en termes de manque de puissance. Enfin, de repoussement. Je pensais pas que le repoussement serait à ce point la clé du jeu, quoi, si je puis me permettre. C'est... Là, je peux pas parce qu'il y a la fichue plante. Du coup, je vais la déclencher. Je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point. Surtout que ça fait rien. Vous voyez, elle fait que un dégât, c'est ridicule. Bon, toi tu te fais bouffer, par contre, je suis désolé d'avoir été annoncé. Alors, ça fait quoi ça? Je m'en rappelle plus. Ça fait mal au cul. Ah, ça marche loin. Cool. Attends. Pourquoi? Ah, parce qu'il est... Je sais pas si ça va marcher. Ça marche. Faut qu'on se dépêche. Je dis ça, mais... Hop. Je crois que je vais perdre encore. Hashtag my turn. Désolé. Je crois que je vais perdre. Ah, bien voir. Ça m'inquiète. Je texte ou quoi? Ils sont malades en plus, ils ont des têtes de malades mentaux. J'attendais pas à ça en termes de combat. Hop. Ouh. J'aurais dû attendre, j'ai été couillon. Mais bon, c'est maintenant qu'il va agir. Voilà. Hop là. Ce qui fait que je vais pouvoir repousser l'autre. Ah d'accord, ok, non, en fait ils sont là comme des empêcheurs d'avancer, si je puis me permettre. Le terme c'est ça, l'objectif c'est qu'ils m'empêchent de faire progresser. Attendez, il a quoi? Repousse une colonne d'adversaire. Oh, ça pourrait être pété. Ça pourrait être pété. Alors, attirer l'adversaire, ça ne m'intéresse pas. Je vais donc pas utiliser Mysterion. Ça, par contre, je vais le faire. Ouais. Ouais, c'est parti. Ça, c'est bon. En fait, oui, ils sont là pour m'arrêter. Pour m'empêcher de repousser les adversaires dans le truc. Ok, c'est ça l'objectif, en fait, qu'ils ont.
Du coup, quand je les fais péter, je peux dé... Oh ! Avec un peu de bol. Non, je vais pas pouvoir parce qu'ils vont tous progresser vers moi. Je vais pas pouvoir les repousser suffisamment loin. Merde ! C'est con, ça. C'est con. À moins que... Oh ! Oh, ça va être épique. Je crois que je vais avoir fini le boss avec un double bonhomme à la fin. Ce qui est complètement pété. Selon moi. Hop les. Et il a survécu, cool. 3 PV, c'était... C'était tendu du slip. Allez, on va s'approcher. En brave que nous sommes. Allez, nourris-toi. Voilà, c'est ça qui est bon. Voilà, 4999 et on a battu Shub-Niggurath. Si ça, c'est pas complètement pété. Est-ce que ça veut dire qu'on va voir Cthulhu plus tard? Ça m'intéresse. Le Necronomicon. Ah, excellent. Costume de momie. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Niveau 10. Il y a encore un niveau. Cool. You're welcome. Who are you? Oh my god, you guys! We've got $100 to get our franchise off the ground! Fucking Coon and Friends! Fuck yeah, you guys! We did it, dude! That was awesome! $100 reward money, here we come! Whoa, whoa, wait! What's going on? Where are you taking that cat? Oh, yeah, sorry, Freedom Pals. There's a certain intel we have that we can't share with you. You know, it's classified. That's because we've been tricked. Ah, fuck. The new kid played us, Freedom Pals. Wanting to join our side was a ruse. Non, non, j'ai toujours voulu. Totally fucked you guys over, sorry. They followed our lead to the police station and now intend to get $100 reward for that missing cat. Well, all is fair in love and war, freedom pussies. I love when you call them freedom pussies. You assholes. We're non, je voulais être du côté de Mysterion pour de vrai. $100 reward. Oh yeah? Just try and take it from us. We will. Civil War 3, it's going down. That's it, new kid. We're gonna rip you apart. Non, je t'aime. We won't fight the new kid. They will. Je t'aime, Mysterion. All right, new kid, time to die. Let's get this little shit. Oh. Oh, je l'ai pas vu venir. Oh, je l'ai pas vu venir et je ne peux rien faire. C'est génial. C'est parti. J'ai des potes. My trusty helmet must shield me from your mental powers. Okay, but then why didn't my brain get hacked? Sorry, Chaos. Unfortunately, Dr. Tim. Non! Non, nous ne serons pas seulement trois. Nous serons quatre. Et nous allons tous vous avoir. Je suis du côté de Mysterion. Quoi que les gens en disent. Bouf! J'ai raté le dernier, mais c'est pas grave, je l'ai eu. Ça en fait un de moins. Oh wow, that was so weird. That's not cool, Timothy. I'm back on Team Butthole now. Avec un... What? ...222... Ça m'intéresse. C'est parti, Quickie. Boum. Ça fait 315 finalement, c'est pas mal. Ah merde, il va avoir un buté, Allez, ils sont tous contre moi. Il va me falloir du soin. Je peux rien faire. En tout cas, pas d'ici. Hop, alors... Merde, je peux vraiment rien faire. Je vais aller soigner... Bah si j'ai l'objet de soin qui va avec, mais... Essayons ça. Le flacon de pizza. Oh,
Bon. Ça a dû faire le ménage. Merci, il était temps. Et donc je peux me caler ici et frapper là. Allez, ça c'est fait. Un nouvel allié. Ah bah non, ça la bute. Ah, bon. B, ça va être trop court. Non, c'est bon. Ah! Voilà. Ça, c'est fait. Mais ça m'a coincé pour le reste. Faire protection à un compagnon, ça peut être pratique. Hop là. On va hacker le Coon. Voilà. Bomb Destroyer. Et on l'a eu. Timmy, stop raping my mind, goddammit. All right, butthole, let's do this. J'en avais presque terminé. Well fought, new kid. I guess we'll have to settle this the old fashioned way. Ah, il a pas du Timmy. Ça aurait été tellement kiffant. Today, Dr. Timothy. Now you're gonna pay. C'était tellement kiffant qu'il le fasse. C'est parti. L'ultime du Coon. Un petit coup de saignement sur tout ça qui est intéressant. What? Ok. Dr. Timothy made a crucial mistake when he failed to control chaos. On va... Je pourrais invoquer un mignon. Je pourrais. Mais non. Allez, aucune limite à mon pouvoir. Nice chaos, professeur. Hop là. Là, il n'y a que des alliés. Là, ce n'est pas un allié. Hop. En tout cas, pas encore. J'aurais pu attaquer deux fois, j'ai été stupide, j'y ai pas pensé. Peut-être que j'aurais pu. Ou il était encore verrouillé. Bon, on fait pas ça aux handicapés hein, quand même. Bah. Ok. Utilité zéro, mais ok. Tu te téléportes en arrière. Le déplacement de l'inutilité. Pardon, ça m'a fait rire. Il va tellement crever diabète bientôt. Ça va faire du bien à tout le monde. Hop là. Dont et surtout à Cartman. Vache. Ouais, bah Cartman serait mort. Voilà, je t'avais dit que tu finirais mal. Bon, bref, vous êtes sans doute trop jeune pour connaître ça. On va en finir donc avec Captain Diabète. Boum. Mais il se relève. Puisqu'il est le meilleur. Hop les, dégage. Ok, t'es tout seul. Non, on ne peut... Oh. Non. Je crois que je viens de comprendre ce qui va se passer à la fin. Je vais devoir péter sur les boules de quelqu'un. Vous savez, l'action à ne jamais faire dans le premier jeu. Oh, si c'est ça. Ah, si c'est ça, ça serait magique. Ok, donc j'imagine que tu te mets contre moi. Voilà, tout à fait. C'est dommage, moi je t'aimais bien.
Donc le tour de notre ami est bloqué. Ce qui me pose un vrai... Ah non, pas bloqué. Bon bah ça va finalement. Ah, c'est pas suffisant. Non. Ah bah oui, mais c'est vrai, ça le ramène juste, ça le tue pas. Faut pas que je le tue pour le ramener, je suis couillon moi. Donc je viens de le tuer en fait, comme un coup. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va invoquer un minion. Ah! Para el chaos! Ça en fait du monde sur le terrain. Prendre un petit coup de foudre. J'aurais pu faire double tour, je l'ai pas fait. J'y pense pas là pour le coup, c'est marrant, habituellement j'y pense tout le temps. Ouais, j'aurais dû m'en looter, tu fais que ça depuis le début, c'est un peu nul. Le pauvre, c'est son dernier tour. Sauf si je le soigne. Sauf si je m'auto-soigne. Ça risque de pas être suffisant. Est-ce que j'ai perdu un tour? Oui! Non? Non, ça va. Par contre, là, je peux faire ça. Là, ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Tu m'étonnes. Ok, bon, maintenant. Reprenons les choses sérieuses. Soyons violents! Il a même pas pris son téléphone. Mais il en a peut-être pas. Je suis étonné. Le diabète, il est un peu loin, mais il peut faire ça. Oh, il va prendre tellement cher au prochain tour. Vous avez vu tous les debuffs qu'il a? Regardez ça. Bon, là par contre, j'ai rien à pouvoir faire avec. À moins que. Non. Ah, si, je peux. Ah, j'ai peut-être l'achevé. Boum! Et je l'ai achevé. C'est ça qui est bon. J'ai gagné, le pauvre. Codex énergisant, pardon, Quindex. Fiche du personnage du docteur Tipeee. Je l'avais pas? Ah, bon. Je croyais que j'avais tout le monde. Docteur Timothy! You fucking animal! He was trying to help us! Dude, Mysterion is pissed at you, new kid. You guys started this war, not us! You don't fucking understand! Dr. Timothy was working on a way to save all of us! Freedom Pals and Coon Friends! What? Easy, Doc. You've taken a lot of hits. Wow, this is your guys' base? This is fantastic! This looks like so much fun! Yeah, I mean, Coon Lair has a lot of cool stuff, too. But yeah, this is cute. Dr. Timothy was never your enemy. He was trying to help us all. But how? Il réfléchissait à un moyen d'avoir tous les films. He's figured it out. It was Dr. Timothy's passion. He worked tirelessly on it. A franchise plan that involved everyone. Each hero got their own movie and TV series. Every hero mathematically equal to the other. Jesus. This is incredible. Timothy almost worked himself to death trying to come up with it. While we were out trying to stick it to you guys, Timmy was actually trying to include us. Et là, il y en a un qui va pas être content. Normalement. We're sorry the new kid is an asshole. That isn't our fault. Yeah, we were just using you guys. There's a $100 reward for this cat. And you wanted her to yourselves. Yeah, but not anymore. If we proved anything tonight, il y en a un qui va pas être bien. When we are all together, it's too late for that. We all started as one team. We all wanted to be superheroes for the same reason. To sell our franchise and make millions of dollars. Let's be one team again. I agree. Come on guys, no more civil war. Let's get the reward money. Y'en a un qui a encore rien dit. Together for one franchise. Yeah, let's do it. All right. But we're calling it Freedom Pals. Freedom Pals. And so like, Timmy is sort of the leader of Freedom Pals? He's like the one in charge? Yes. Well, I think it's awesome. Honestly, Freedom Pals is a way better name than Coon and Friends. Freedom Pals. Freedom Pals. I'm super cool with this. Then it's settled. Tomorrow, we get the reward money for Scrambles, and we use it to kickstart Timmy's franchise plan. Together, Freedom Pals, Retribution, drogué, Eric. But with inclusion! Fuck yeah, you guys. Let's do this.
Ou alors c'est parce qu'il se dit qu'il aura le dessus sur Timmy. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et je dors avec mon cache-œil. Ok, why not? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok, cool. Bon, bah... Ah oui, c'est la sonde. Ah non, c'est... Non, c'est une arme. C'était une arme du précédent jeu, ça. Enfin bref, excusez-moi, ça m'a choqué sur le coup. On va se laisser là pour cet épisode. Merci d'avoir regardé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop.